Et salut tout le monde, c'est Lichable. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle série que je vais nommer Retour à Pangea Software. Alors, qu'est-ce que c'est Pangea Software? C'est des configurateurs de jeux. Et ces jeux m'ont marqué quand j'étais petit, j'ai vraiment adoré. Bon, certains étaient mieux que d'autres, mais je me rappelle de certains que j'adorais vraiment. Et donc, automatique, on faisait partie. Donc, j'ai téléchargé la démo. Et bien, on va la commencer. Alors, c'est... En fait, non, celui-là, si je me rappelle bien, j'y jouais pas quand j'étais petit, mais bon. En fait, c'est plein de jeux qui ont été mis à jour et qu'on peut jouer sur macOS X maintenant. Donc là, j'ai vite fait jouer la démo avant. Donc en fait, on est un petit robot qui doit sauver des humains en les touchant. Voilà. Donc là aussi, sinon ils se font enlever par des martiens. Donc c'est ballot. Donc on va essayer de... C'est quoi ça? Ah oui, c'est un power-up. Attention, donc là on voit un truc qui va essayer de prendre l'humain et nous on va le sauver avant. Alors, c'est un jeu vraiment sympa. Bon, les graphismes, c'est pas énorme, mais c'est vraiment des jeux que j'adorais quand j'étais petit et qui m'ont vraiment marqué et que... Enfin, celui-là, pas vraiment, mais les autres que j'ai fait après. Donc là, on va pouvoir choper un gun. Une fois que j'ai changé la vue, parce que cette vue, je l'aime pas trop, je sais plus comment faire. Je connaissais pas cette touche. Donc là, pour faire un double saut par-dessus, il faut faire double saut. Parce que sinon, on meurt. On va choper ce qu'il y a là. Ça, c'est de la vie, je crois. Mais bon, on en a pas perdu pour le moment. Donc dans les cages, je crois qu'il y a des petits trucs un peu spéciaux. Donc là, on a un truc vert pour régénérer notre... Merde. Oh, le con. Ouh, c'était chaud, ça. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de viser pour voir. Dégommer la porte. Oh merde. Non, je gère pas là. Voilà. Merde. Ah, un martien. Donc on va le shooter au flingue. Ils sont pas très puissants, les martiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, des humains à sauver. Vite, vite. Faut sauver celui-là. Voilà. En fait, on a un petit robot. Dans la cinématique de début, on voit qu'on est... y a des martiens qui envahissent la planète, en gros. Et nous, on doit essayer de sauver les humains en les touchant. Un peu bizarre, comme principe. Donc, je me procurerai peut-être le jeu. Il est qu'à 4€ sur un site que je connais. Si ça me plaît vraiment bien, je le prendrai peut-être. Bon, là, c'est que la démo, mais... Il est vraiment sympa. En plus, je suis bloqué. Donc, sinon, lesquels autres je ferais... Merde, qu'est-ce que je fais? Ah, j'arrive pas à l'avoir fait. Quel autre jeu je ferais? Eh bien, Bugdom 2. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, Bugdom 1 était vraiment super. Mais quand je dis super, vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, les graphismes étaient pas terribles, mais le scénario était pas mal. Enfin, si on peut appeler ça un scénario. C'était assez sympa. Et vraiment, je l'ai adoré celui-là. Mais on peut plus y jouer malheureusement sur macOS X. Il tournait que sur iOS. Et bah iOS, bah, personne ne les a quoi, limite. Désolé, je suis un peu concentrée. Mais iOS, plus personne n'a et Bugdom ne peut plus tourner dessus. Sauf si on fait des petites manips assez compliquées, mais voilà. C'est pas trop mon truc ça. Lesquels autres? Nanosaur 2. Nanosaur 1, c'est pareil, il était sur. Il était sur iOS. On peut plus y jouer. Mais Nanosaur 2 est vraiment bien, celui-là. Nanosaur 2, vraiment, les graphismes sont mieux que celui-là. Et il fait un peu plus récent comme jeu. Bon, même s'il est vieux, hein. Lesquels autres? Il y a... Enigmo 2. Ou ça, je sais pas, parce que c'est pas si bien que ça, en fait. Peut-être que je ferais, je sais pas. Quel jeu d'autre il y a? Il y a, bien sûr... Chroma Granny. Ah oui, celui-là, on l'oublie pas. Alors, Chroma Granny, c'est un petit jeu de course. On est des Cro-Magnons en fait qui font la course. Donc là il y a des citrouilles, vite, on peut l'avoir. Donc là en fait ça sert à rien d'essayer de tuer les tomates parce qu'elles vivent après. Mais en fait quand elles vous sautent dessus, elles vous font très mal.
Donc ouais, il recrée des humains. Donc on essaye d'accumuler le plus de balles possible pour en avoir une bonne ressource. Après, il y aura des artichauts, ce sera assez sympa. Et voilà, ah merde. Ouf, c'était moyen. Vous voyez, on peut quand même les tuer, mais... Ah, cool de la vie. Essayer de les éviter. Alors. Le checkpoint, on l'active. Pouf. Alors, je vais voir ce que c'était. Non, c'était pas là. Merde, je suis con. Voilà, donc on peut les tuer, ils partent en rodève, c'est assez sympa. Ah! Donc voilà, j'en ferai sur plusieurs, donc ce sera pas très bon. Ah, mais je me fais massacrer. Mais le mieux, je pense, de tous, c'est quand même, ça reste Nanosaur. Nanosaur 2, il est vraiment, vraiment bien. Il est mieux fait que les autres. Mais Bug Dome 2, en fait, il est... Par contre, il est pas terrible en fait. Le 1 a eu un grand succès, mais le 2, vraiment, non, pas vraiment. Pourtant, c'est sûr qu'il est moins bien, il fait plus enfantin que les autres en fait. Que le premier. Le premier avait un petit peu dark, un peu plus que l'autre. Et je suis là, pas vraiment. Ah, là, c'est marrant, on a des artichauts. Les artichauts qui se replantent aussi. Ça, je pense que les bleus, c'est pour le score. Les verts, c'est pour régénérer les spéciaux. Oh merde! Ah, j'ai pris cher. Ah, mais chope-le. Sauve-toi. Ouais, donc le vert, c'est pour régénérer les spéciaux, comme quand je saute à travers l'eau, là, les gros sauts et pour détruire. Oui, c'est marrant aussi, par contre, on est là. Sympa. Alors, on la sauve, elle. On chope ce qu'il y a là-dedans, un autre gun. C'est bien, on a accumulé pas mal de munitions. Ah oui, on peut pas en avoir plus de 100. Heureusement que je regagne de la vie quand même. Parce qu'il m'a bien mis cher l'autre. Wouah! C'est ça qui est marrant. On peut vraiment les exploser dans tous les sens. On a notre maximum de vie là. Cela. On chope le score. Enfin, j'imagine que c'est le score. Après, je saurais pas ce que ce serait sinon. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, on le sauve. Donc, je crois... Oh merde. Aïe, 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 aïe. Ah, je prends cher quand même. On se casse vite. Le checkpoint. Putain, ils peuvent pas s'arrêter les artichauts là. Mais non. Même quand je saute. Putain. Vite, on chope la vie. Toi, on le sauve. J'imagine que c'est la fin. Je voulais voir c'était où je changeais en fait. Je reteste les touches un peu. Voilà, c'est là. Là c'est quoi? Oh, c'est puissant ça. Ah oui, bon moi je l'ai plus. Je savais pas ce que c'était, je l'ai essayé, je l'ai plus. On passe à l'arrache. Je pense, je sais pas comment le régénérer. C'est peut-être ça le bleu après. Merde. C'est bien parce qu'on n'a pas vraiment besoin de viser pour les tuer. Pas besoin d'être très précis. Oulala. Il y en a partout là. Si bien avec celui-là, c'est qu'il est pas si évident que ça. Ah mais il massacre ceux-là. Purée, ça rase. Il s'arrête jamais, il saute à... Faut que je reprenne de la vie là, sinon je vais mourir. C'est la tour qui me balance ça, je sais pas ce que c'est. Ah voilà, je pouvais voir en haut, j'ai un spécial que je peux refaire. Je pense qu'il doit se replanter les mecs en fait, c'est ça. Voilà, les pouces se replantent. Ah. C'est un peu la maniabilité pas sensationnelle, on va dire. Ah voilà, merde. C'est pas si évident ça de...
Je galère un peu sur le même endroit là depuis tout à l'heure. Ils explosent en pop-corn ou quoi? Ah oui, bah c'est du maïs, je suis con. Vite, de la vie, de la vie, de la vie, j'en ai besoin. Ah, ça m'en a pas mis beaucoup. Faut que je me casse. On chope la vie. Donc la vie, c'est en haut à gauche, là, le cercle. Ah merde, je me suis craqué, je crois. Donc je gère plutôt, j'ai sauvé 11 mecs et 5 filles. Et là, ils sont un peu spé, bon, c'est des fermiers. Hein. Pour rien leur vouloir. Non, j'ai confondu la touche. Alors. Merde. Merde, non, il faut la sauver. Non, il faut la sauver. Ah, sauvons-la. Pourquoi je peux pas la sauver, elle? Ah, voilà. Voilà, il est bien le pistolet quand même, mais j'ai pas mal perdu de munitions. Ce serait sympa que je récupère un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Allez hop, on pète ça. Ah, cool, des munitions. Peut-être que je me dépêche de finir. Alors. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, je pense que ça peut être la scène de la fin, ça. Un dernier checkpoint. Ouh là là, c'est quoi ça? Sauvons-le et cassons parce que c'est là. Ouh, je vais me faire un petit spécial. Et c'est où? Ah merde, je suis gouré. Bah non, c'est de la triche. Je l'avais fait avant. Merde, bon, je vais me casser parce qu'en fait ils sont trop puissants pour moi, je pense. J'ai perdu une petite vie, c'est pas cool ça. Allez hop. Comment faut faire là? Comment il faut faire? Attendez, je vais couper 2 secondes. Voilà, donc excusez-moi pour ce petit malentendu. Donc reprenons. En fait, là. Comment on fait? C'est une merde, ça. Attends, j'ai juste ici un peu. Je pense qu'il faut le faire charger, en fait. Charge-moi. Ouais, mais ça fait un peu mal quand il nous charge, en fait. Allez. Voilà, on l'a eu. Pas très intelligent que ça, finalement. On va essayer de pas mourir, parce que ça me ferait un peu suer de recommencer cette scène assez chaud. Alors, de la vie ici. Au moins, il est assez long, le level, c'est assez bien. Encore de la vie. Non, faut que je le sauve, toi. Ah, j'ai pas réussi, il est monté juste devant moi. Alors. Hop. On tue. Où est-ce qu'il faut aller ensuite? Ouh là là, ici on a pas mal de munitions. Je pense que c'est des munitions. Mais genre, j'ai tué. On a vraiment pas besoin de viser pour les avoir. C'est pas mal ça. Allez hop. 100 munitions. On va essayer d'aller sauver la dame que j'ai vue ici. Allez hop. Bon bah je crois que lui il s'est fait emporter. J'ai quoi ici? Oui, vite, on va aller le toucher. Bon allez, on s'en fiche du bleu, on en a pas besoin. Enfin, je sais même pas à quoi ça sert. Ah merde. Ah, ça sent la scène de la fin. On va tous les tuer pour le fun. Allez hop. Allez. Non, pousse-toi. J'ai pas réussi à la trouver. Bon, on va aller finir ça. Hein.
Oups, là, c'est pas terrible la vue comme ça en fait. Voilà. Bon bah, je pense que ça doit être la fin de la démo, on doit avoir qu'un level. Mais c'est sympa comme jeu. Voilà. Oh, ça s'appelle Automatique. On a un petit robot, c'est vraiment sympa. Voilà, donc on a... On peut pas... Voilà, je vais quitter. Non, on respawn au début. Donc on va se laisser sur ce. Sur cette petite image de présentation du jeu en entier. Alors là, on peut voir... Ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Donc je vous le conseille. Bon, c'est pas du graphisme élevé, hein, c'est ce qu'on peut dire. Mais c'est sympa, c'est assez sympa. Donc je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo de je ne sais quoi. Bon allez, ciao tout le monde.